À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. En fait, petit à petit, dans mon entourage, les gens commençaient à faire du rap. Et plus je rencontrais des gens, plus je me reconnaissais là-dedans. Je sentais cette énergie folle qui me transperçait, je pourrais dire. Et juste en fait, ressentir ces émotions-là, ça m'a marqué. Et je pense que 10 ans après, j'ai toujours les mêmes énergies et le même kiff quand je fais de la musique. Ouais, je pense que la musique que je fais, c'est un reflet de ma personnalité, de ce que j'ai en moi, de ce cocktail qui fait que ce soit gore, quoi. Je suis arménien, je suis arrivé en France à 9 ans. J'ai commencé la musique à 13 ans, maintenant ça fait plus de 10 ans que j'en fais. Et je pense que tout ce qui a constitué la personne que je suis actuellement, la musique en parle. Et c'est ce que je fais. Mes inspirations, je pense qu'il y en a plein d'inspirations. Déjà, ma mère était pianiste, donc j'ai été bercé depuis que je suis jeune au piano, dans son ventre. Puis même quand je suis né, j'étais là assis sur ses genoux et je faisais semblant de jouer à 2 ans. Et déjà, cette petite fibre musicale, peut-être que ma mère me l'a transmise quand j'étais plus jeune. Et en grandissant, les premiers morceaux de rap que j'ai écoutés, c'était du 50 Cent, du Eminem, etc. Puis petit à petit, j'ai commencé à découvrir le rap français. Donc j'écoutais Booba, Cynic, Rof, énormément de ces personnes en fait qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie également de faire de la musique et ce que j'aime. Mais j'ai d'autres inspirations. Je parlais du fait que j'étais arménien également, donc j'ai des inspirations russes et arméniennes. Par exemple, sur mon dernier projet, vous pouvez retrouver des instrumentales, des inspirations arméniennes avec des flûtes arméniennes, ça s'appelle le doudouk. Et je pense qu'apporter sa patte, ses traditions, ses inspirations dans ce qu'on fait, que ce soit au travail, humainement parlant, ou dans la musique, je pense que c'est quelque chose de fondamental et faut pas qu'on l'oublie. En octobre dernier, j'ai sorti un projet qui se nomme Aquila. Dans ce projet-là, vous retrouvez toutes les inspirations que je vous ai données tout à l'heure. Il y a d'ailleurs le dernier clip qui est sorti, c'est Latina en feat avec mon frérot EDRF. Vous le retrouverez également sur YouTube. Et malgré ce projet qui est sorti il y a 3 mois, je suis déjà passé à autre chose. Et dans un mois et demi, vous aurez le droit à un nouveau projet. Ce que j'aimerais apporter finalement, c'est ma patte finale, ma pierre à l'édifice, déjà dans le rap lyonnais. Peut-être un jour dans le rap français. Et si j'arrive à marquer quelques personnes, leur procurer des émotions, ce sera tout pour moi. J'aurai déjà tout gagné. Je me suis trop posé de questions. La ruelle de ma ville sont très sombres. Cœur froid comme un soir de décembre. Je regrette l'innocence de mes 13 ans. Grandir pour moi c'est dépressant. Plus je grandis, plus j'ai de la pression. Le monde est faux, c'est pas qu'une impression. Gros, c'est dans ta tête que la prison. Toujours en mission, faut que je parle. Maison et sans m'arrangement, gros, faut pas que je craque. Toujours en mission, faut que je parle. Maison et sans m'arrangement, gros, faut pas que je craque. Ramène les billets, je vise le sommet, j'ai besoin de mort, mais j'écoute pas les rêves ou les drogues et les gars, mais j'ai besoin de palmes, j'ai besoin de palmes, je vais truquer les paroles, t'es pas prêt. Personne pour m'arrêter, moi t'es pas prêt. Personne ne m'a aidé, mais c'est parfait. Personne ne m'a aidé, mais c'est parfait. Je rentre dans la main, non, j'ai pas le temps de traîner. J'ai pas le temps de traîner.
Je fais les bails dans la minute, on n'a pas le temps de traîner. Je rentre dans la minute, non, j'ai pas le temps de traîner. Je fais les bails dans la minute, on n'a pas le temps de traîner. On n'a pas le temps de traîner, on n'a pas le temps.